Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi. Donc, je suis en pèlerinage. Et voilà, je tenais quand même à vous faire la guidance. Je suis un petit peu fatiguée, mais bon, je me suis dit, allez, on va la faire parce que je voulais, bien sûr, donner le nom aussi hein, de le ou la belle âme qui va recevoir du coup mon oracle en cadeau, l'oracle donc la rose de Maman Marie. Donc c'est Claire Stream 1576. Je pense que c'est ça, mais en tout cas je vais mettre l'image dessus. Hein, je vais faire un petit montage et vous allez voir, ça va apparaître. Et puis voilà, je remercie infiniment de tout cœur, en tout cas pour à tous et à toutes pour votre participation. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, donc pour Claire Stream, donc il va falloir me contacter sur mon site Etsy et m'envoyer l'adresse postale, voilà, afin de pouvoir recevoir forcément hein, le petit cadeau. Voilà, donc restez connectés évidemment, puisque dans quelques temps je referai un autre concours, enfin voilà, un autre, j'aime pas trop l'appeler concours, mais bon. Pour pouvoir vous remercier chacun et chacune de votre fidélité à ma chaîne, puis voilà pour votre gentillesse, tout ça. Donc j'en referai d'autres, hein, bien sûr, et peut-être avec le nouvel oracle, je vais voir. Donc en tout cas, on va commencer du coup la guidance, donc félicitations bien sûr à vous. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à bien me contacter dans mon site Etsy. Et ensuite, bah voilà, j'attendrai à peu près une petite semaine pour voir si, si je n'ai pas de nouvelles, je donnerai un autre nom. Hein. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, je vais prendre l'oracle d'Éline. Alors, quand je suis partie, j'ai oublié le micro. Mais il y a le micro qui est déjà inséré dans l'appareil, mais j'ai oublié le micro, donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Donc on y va, on va voir quel est le message. Bon, ben on a l'amour, directement, hein. C'est par là. Eh ben dis donc, on commence bien. Avec la planète Vénus. Ah, la planète Mars, despotisme. Donc ici, on voit bien hein, une personne qui est attachée à quelque chose, qui est sous l'emprise de quelque chose. Hein. Donc là, avec l'amour, forcément, pour moi, ça me parle vraiment d'une dépendance. Ici, une dépendance affective venant de cette personne. Ce n'est pas de vous, mais de l'autre personne. Alors, je vais rajouter deux cartes. Oh, bah, passion. Toujours la planète Vénus et les pourparlers. Bah voilà, c'est ça. En fait, ici, on a une personne qui est dans une dépendance affective et en même temps dans une emprise à cause de personnes ici, vous voyez, hein, voilà, à cause de personnes autour d'elle hein, qui sont effectivement très toxiques, qui sont dans le commérage, etc., et qui sont très toxiques. En plus la planète Mars deux fois et la planète Vénus deux fois hein, donc la planète de l'amour et la planète de l'action. Donc ici on voit qu'effectivement par rapport à en fait cette personne va devoir agir pour cet amour ici qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous hein, vous interchangez par rapport à vous au niveau du il et du elle, mais par rapport donc à cette personne qui a effectivement beaucoup d'amour et aussi beaucoup de désir et de passion pour vous, c'est quelqu'un qui a besoin de se détacher de ces personnes-là pour pouvoir retrouver en fait des énergies beaucoup plus positives. Parce que tant qu'il reste entouré de ces personnes ici, forcément, les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens. Ça, c'est clair. Voilà, il va rester dans une inconstance, il va rester dans une instabilité, il va se poser plein de questions. L'intuition aussi avec la lune ne va pas être positive.
Et on a aussi le soleil. Donc là, vous voyez, on a l'énergie féminine et masculine. En fait, il suffit de s'équilibrer au niveau de ces énergies-là, de ces polarités-là, pour pouvoir apprécier et vivre en fait ce cadeau qu'il a reçu du divin. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est cet amour et cette passion qu'il a avec vous. Donc pour vivre à 100% cette relation, cet amour, il va falloir se libérer de ces personnes-là. C'est une grâce, vous voyez, cet amour, cette passion ici, cette relation, en fait, ce lien est une grâce. On a la planète Saturne et là on a l'argent aussi, avec la planète Mercure. Donc là il va y avoir aussi l'argent, on peut aussi nous parler effectivement de prospérité, d'abondance, au niveau donc amoureux, et aussi au niveau financier, en fait, quand tout va mieux, forcément, même au niveau financier, tout va mieux aussi, c'est pas uniquement au niveau sentimental. Quand les choses vont mieux dans ce côté-là, si cette personne vraiment se libère, forcément, on reçoit aussi de très beaux cadeaux, en fait, de très beaux présents du divin qui viennent également donc des richesses. Voilà, vous voyez, avec l'échelle, on a cette évolution. On peut effectivement aller beaucoup plus loin, grimper sur cette échelle, quoi, et puis vraiment à l'infini, en fait. On peut recevoir l'abondance, la prospérité, l'amour à l'infini. Et pour tous les signes, hein, ici, on vous dit vraiment pour tous les signes, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, tant que on se libère, enfin que... Oui, c'est ça, en fait, on me dit que là, c'est aussi pour tout le monde qui regarde la guidance, c'est-à-dire que là, on parle de cette personne, mais aussi, on conseille également aussi à vous, pour vous, en fait, c'est comme si on voulait vous rappeler, un petit rappel, entre guillemets, même si vous le savez déjà, que de ne pas oublier que quand on est entouré de personnes qui sont toxiques et qui sont toujours à parler, à dire des choses à droite, à gauche, tout ça, ça devient toxique. Et forcément, même pour vous, c'est toxique. Et il faut s'en libérer, il faut demander à Dieu, au divin, etc., de s'en libérer. Tiens, pourquoi pas, ici, j'ai le cœur sacré de Jésus, j'ai l'encens juste en face de moi, pourquoi pas demander effectivement au cœur sacré de Jésus de vous délivrer de toute énergie toxique et de toute personne toxique. Et pourquoi pas aussi demander pour cette personne-là, de se libérer. Et pour parler ici, la découverte, pour moi ici, vous allez découvrir, je pense que vous avez déjà découvert, c'est pas vous allez découvrir, vous avez déjà découvert qui sont ces personnes ici, qui parlent, qui racontent n'importe quoi, et qui sont jalouses et toxiques autour de cet autre-là. Vous savez déjà, parce qu'avec la lune, en fait, vous le ressentez. Vous le ressentez déjà, vous avez cette intuition très très forte, et vous savez que que c'est ça, en fait, qui peut... C'est comme si vous savez que cette personne est prisonnière, entre guillemets, de ces énergies-là, et qu'il va falloir fermer la porte, fermer la barrière, mettre un mur à ces personnes-là, de son côté à lui. Et tant qu'il ne le fera pas, les choses ne pourront pas aussi évoluer avec vous. Pardon. Là, on a Jupiter aussi, hein, dans la planète de la chance. Mais voyez, grâce à votre sagesse, parce que là, je vois que vous... Voyez, encore une fois, la lune, hein. Je vois que vous allez beaucoup, beaucoup être connecté à votre intuition, faire preuve de beaucoup plus de sagesse, avoir plus de côté positif, plus de foi, etc. Du coup, vous attirez à vous vraiment le succès, l'admiration, j'entends aussi. Vous attirez que des belles choses, en fait. La chance, hein, la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, hein. Donc, vous attirez peut-être même des rendez-vous, des personnes et tout, hein, qui sont vraiment bonnes pour vous, qui sont positives pour vous. Ça va vous faire du bien, en fait. On va voir avec le tarot Luna Sol. Hein, j'ai pris celui-là avec moi, de chez moi. On verra. Je vais laisser. Je ressens que je dois laisser. Je dois laisser les cartes ici. Donc c'est celui-ci, je vous le remontre, voilà, pour celles et ceux à qui ça intéresse.
Eh bien, regardez tout de suite le 6 de bâton, la réussite. Vous voyez, vous avancez vers la réussite, hein. Vous évoluez, vous, de votre côté, vers la réussite, parce que vous avez su être patiente ou patient par rapport à cette évolution que vous attendiez tant, à cette réussite que vous attendiez tant, surtout dans le côté aussi professionnel, matériel et financier. Il y a vraiment une réussite ici pour vous. Et au niveau sentimental. Regardez le 10 de coupe, on parle aussi au niveau sentimental. Et en plus, on vous dit que. Enfin, vraiment, on vous parle de grand amour, de bonheur et tout. Et on a le cahier de coupe. Hein, donc voilà. Donc on a bien cette personne qui vient vers vous avec des mots d'amour, une déclaration d'amour. Ça peut être quelqu'un du signe du poisson. Là, il y a un grand poisson. Bon, du signe d'eau en tout cas. Scorpion, cancer, poisson. Si ça vous parle. Ou alors la lune peut-être aussi. La lune en signe de poisson. C'est quelqu'un qui arrive très rapidement. Hein. C'est un souhait qui se réalise en tout cas. Vous avez demandé ce souhait. Vous avez déjà demandé. Vous avez déjà prié pour recevoir cela. Et ça arrive effectivement. Cette déclaration d'amour arrive vers vous et c'est un pur bonheur parce que c'est quelqu'un en fait qui va enfin pouvoir se libérer. Vous voyez? C'est la fin, le 10 d'épée, c'est la fin de toutes les épreuves en fait. Vous voyez, tous les coups d'épée que cette personne a reçus, ce sont toutes les personnes en fait qui lui ont fait du mal, énergétiquement parlant, et peut-être physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, énergétiquement parlant, ce sont des personnes qui lui ont fait énormément de mal, qui lui ont montré en plus des facettes de eux qui étaient gentilles, qui étaient là pour lui, qui voulaient du bien pour lui ou pour elle. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc, il y a eu énormément de trahison de l'entourage avec cette personne, hein, malheureusement, qui est un roi de pentacle. Donc, qui est une personne en plus qui est très, quand même, qui est mature, qui est aussi sincère, qui peut être têtue, mais qui est très sincère, qui est généreuse et tout ça. C'est quelqu'un de, en tout cas, qui a un certain confort au niveau aussi dans sa vie, au niveau matériel et tout, mais qui, voilà. Qui doit vraiment se libérer de ces personnes-là et qui pour moi va s'en libérer petit à petit et va venir vers vous avec vraiment une magnifique déclaration d'amour. Vous voyez, il se libère de 10 d'épée et 10 de bâton. Voilà. Ça en fait, c'est la fin d'un fardeau, enfin même de plusieurs fardeaux et la fin de plusieurs trahisons ici pour cette personne. Et là, on a le 5 de coupe. C'est quelqu'un. Alors attendez, je vais voir parce que là, c'est. Vous en fait. Ah oui. Ouais, alors vous, je vois que vous avez passé, vous aussi, hein, vous avez passé un moment compliqué, mais c'est pas pareil comme lui. Vous avez passé un moment compliqué, mais c'est plutôt dans le côté financier, professionnel, ou peut-être matériel aussi pour certains. Vous avez passé beaucoup de moments assez compliqués, vous n'étiez pas bien du tout au niveau émotionnel, ça n'allait pas du tout. Vous étiez très agité au niveau aussi de votre intuition, vous ne savez pas trop, parce que vous ressentez quelque chose et puis d'un autre côté, vous avez envie de faire autre chose. Bon, vous étiez vraiment. Ouais, vous étiez vraiment confuse en fait, confus. Voilà, vous voyez, on a même le diable qui ressort. Donc on est bien dans ce côté confusion, énergie toxique, négative, vous étiez vraiment attaché. Dans des énergies très toxiques et l'autre personne aussi en fait. Et là, vous avez décidé, et ensuite, surtout, vous avez décidé de prendre soin de vous avec le 9 de denier, de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de faire attention aussi à votre carrière, de faire ce que vous aimez. 8 de coupe, hein, ouais, du coup, vous êtes éloigné. Ah, 8 de coupe et As de coupe. Ouais, en fait, vous vous êtes même éloigné d'un amour ou d'un nouvel amour. Effectivement, on a la tour. On va voir. Pour vraiment, hein, ça c'est juste, voilà, l'ermite, vous voyez? Et là, on a l'espoir qui a voulu venir. En fait, vous allez retrouver dans cette douleur, dans ce chagrin, vous retrouvez espoir par rapport donc à cet amour. Dont vous vous êtes éloigné à un moment pour être en mode retrait et vous vous êtes même éloigné en disant, enfin, en pensant que c'est terminé en fait. Et vous vous êtes mis en mode retrait.
Mais en fait, c'était juste ce moment, était juste là pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre carrière aussi, etc. Et puis, surtout pour pouvoir guérir de plusieurs trahisons aussi que vous avez subies, ou d'un cœur en tout cas blessé ici. Voilà, la reine de Pentacle, on me confirme bien que c'est vous, hein. Voilà, une personne honnête, stable et tout, mais qui à un certain moment s'est perdue et qui donc a été obligée, entre guillemets, de s'éloigner un petit peu, même des personnes qu'elle aime, pour pouvoir se retrouver. Mais vous pensiez que tout était détruit, que voilà. Vous pensiez que tout était détruit. Mais cette personne en face de vous, elle ne le pensait pas. A toujours en fait gardé espoir, puis a toujours regardé vers l'avenir de manière positive. Ce qui a beaucoup, effectivement, au niveau énergétique, ça a énormément aidé pour que justement de belles choses arrivent ensuite. Parce que forcément, au niveau énergétique, ça va attirer, quoi. Enfin, il y a comme une aide en fait. Et là, on a le 2 d'épée et le 4 de coupe. Hein, donc, ouais. 4 de coupe et chariot. C'est ça. Hein. Cette personne, malgré qu'elle avait beaucoup de doutes, elle n'était pas bien du tout parce que elle était énormément aussi dans le. Bah, elle s'ennuie beaucoup sans vous. Le manque de vous et tout ça, c'était très difficile. Parfois, elle avait des doutes qu'effectivement, peut-être que tout était détruit. Mais elle retrouvait toujours espoir et elle était convaincue que non. Et ça, en fait, c'est pour vous dire que ça a énormément blé. Ça a énormément, je vais y arriver, fait avancer les choses entre vous de manière positive, en fait, parce que si par exemple vous, vous étiez resté dans ce côté-là et cette personne aussi serait restée dans ce côté négatif, bah, forcément, la relation aurait vraiment éclaté, ça serait vraiment la tour. Mais vu qu'il y en a une des deux qui est restée positive par rapport à la relation, bah forcément les choses vont évoluer et vous, bah vous allez pouvoir vous retrouver et guérir. Voilà, donc dans ce blocage, effectivement, c'est quelqu'un qui est resté quand même attaché à vous et qui, pendant ce blocage, va se libérer ici, vous voyez, de bah des personnes, encore une fois, ici, qui sont malveillantes, etc. Et le fait de s'en libérer. Avant pouvoir effectivement faire avancer les choses encore plus positivement entre vous, ça c'est clair. Voilà, le jugement. Il va y avoir le jugement. Il va y avoir le verdict final. Et c'est quoi? C'est la tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre entre vous et c'est la relation qui se remet en place dans la matière. Donc c'est un couple qui s'unit. Mais vraiment, hein, qui s'équilibre. Enfin, voilà, quoi. On a les deux polarités qui sont ensemble, qui s'équilibrent, qui sont ensemble, mais vraiment dans la matière également. Parce qu'il y a une guérison, tout simplement. Voilà. On était perdus, on pensait que tout était fini. Ah ben non. Voilà. Énergie divine. Te vois, tu te vois là. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie aussi de prendre avec moi celui-ci. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'ai pris. C'est les cartes des anges. Et je voulais vous prendre donc une petite carte pour voir un petit peu bah, l'énergie de quel ange ici. C'est AAL, Dieu en trois personnes. Donc, AAL vient vous confirmer ce que vous ressentez déjà. Oui, je vous parlais de ressenti tout à l'heure. Il existe quelque chose de grand, d'intelligent, parfait en tout et aussi en amour. Il vous révélera justement l'importance de l'amour. La première clé, c'est AAL qui vous la révèle. Votre foi s'éveille et s'ouvre une ère spirituelle. Votre ange vous demande un effort pour devenir transparent. Développer les valeurs de vérité, ne pas cacher ni mentir. Ah oui, mais c'est pas toujours évident des fois, pour certains, de ne jamais mentir et de jamais cacher, hein. Ne pas avoir honte de ses défauts. Oui, alors là, vous voyez, on vous demande d'être vous-même, de ne pas avoir honte en fait de vous-même, de prendre confiance en vous,
Parce qu'en fait, bah oui, quand on y pense, ça sert à rien en fait, hein, de faire semblant. On est qui on est, hein. Donc ne pas avoir honte de ses défauts ou ce que l'on croit être du vice, vous irez de surprise en surprise sur la route où à elle place vos vrais amis. Voyez, les vrais amis. Ne craignez pas, sa lumière vous protège, donc n'ayez pas peur. L'ange vous inspire des échanges, il est temps. D'autres approches qui deviendront très importants demain. Voyez, il y aura des communications très importantes qui arrivent vers vous demain. Donc on vous dit que là, c'est très très bientôt, quoi. Gardez cela en mémoire et parlez avec Ahel. Ne jugez personne, aimez et riez. Ah ah Ok. Ouais, c'est un petit ange, j'ai envie de dire, avec humour, rieur. Voyez, vous êtes vraiment protégé et vous allez vraiment avoir les bonnes personnes pour vous, les vrais amis, les bonnes relations, le vrai amour et tout ça. Donc on vous dit, n'ayez pas peur en fait, hein. Et je vais prendre mon oracle donc, de Jésus ici d'amour. Donc ça, c'est la version d'avant. Donc vous l'avez, mais comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est dans la version tarot. Et le dos de deck est différent. Voilà. Donc c'est parti. Donc bien sûr, tous mes oracles sont en précommande. Et comme je vous ai dit, vous avez moins 10% à la livraison offerte jusqu'au 10 mars. Donc attention, parce que c'est jusqu'au 10 mars pour pouvoir recevoir les oracles. Surtout mon dernier oracle. Fin mars, début avril. Je peux expédier début avril, fin mars. Voilà. À peu près, hein. Donc là, on a l'énergie masculine. On a un frère, un oncle, bref, une énergie masculine. Je vais mettre l'ange ici. Évolution spirituelle. Donc, vous voyez, on vous parle d'une énergie masculine ici qui évolue spirituellement et qui guérit. Hein. On a la guérison divine ici par rapport à cette énergie masculine. Regardez, jalousie, envie. Vous voyez, encore une fois, un entourage médisant, jaloux, etc. Mais il y a une guérison qui arrive parce que c'est comme si ce trou noir, entre guillemets, justement allait faire évoluer en fait au niveau spirituel. Hein. Et on vous dit, hein, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal accompagné de prières. Donc c'est peut-être une personne aussi qui va beaucoup prier, demander, etc. Regardez, c'est incroyable. Hypocrisie, mensonge, jalousie, envieux. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est incroyable, c'est vraiment pour vous dire, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur de ces personnes qui sont jalouses, envieuses, hypocrites, parce qu'en fait, si Dieu est avec vous, qui sera contre nous? Bah, personne. Personne en fait. Personne, parce que si on met tout dans les mains du divin, même si on a 10 milliards de personnes autour qui sont toxiques ou qui veulent du mal, ils ne peuvent pas atteindre, si vous demandez toujours à Dieu, ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Voilà. Une question. Vous voyez, l'amour inconditionnel. C'est ça, en fait. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Et tant que vous demandez la protection divine, il va toujours être là. Donc, en fait, voilà, ne suivez pas trop la peur par rapport aux personnes toxiques. Et on a aussi l'énergie donc féminine ici, avec adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie. Donc là, pour moi, c'est vraiment le fait de se libérer d'une énergie, enfin des énergies, en fait, de trahison. Sacrifice par amour et la richesse du cœur. Parce que vous vous êtes trop sacrifié à cause du fait que vous avez un grand cœur. Et là, vraiment, je ressens que vraiment c'est en rapport avec les personnes autour de vous qui ont été effectivement très hypocrites et tout ça. Vous vous êtes assez sacrifié comme ça parce que vous avez un grand cœur. Mais maintenant, ça y est. Maintenant, c'est bon. Maintenant, vous pouvez avancer sans avoir peur de ces personnes-là. Avancer dans votre vie. Marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Vous voyez ? Avancez avec toujours Dieu auprès de vous, Jésus, Maman, Marie, les anges, etc. Selon votre croyance, à vous. Selon votre vérité, à vous. Voilà.
Et c'est comme ça que vous allez aller tout droit vers la vérité, en tout cas, et vers la joie et le bonheur. Voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire ici. Donc, n'oubliez pas, hein, l'ange Ahel, là, qui rigole, là, donc il va falloir rigoler, là. Voilà. Et ben, en tout cas, on vous amène tout droit vers l'amour, vers le succès, vers le bonheur, vers la guérison aussi divine, donc, et même donc pour vous, mais aussi pour la personne en face de vous ici, avec qui vous pensiez que tout était fini, mais non, ce n'est pas terminé. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et j'espère qu'on m'a bien entendu, malgré que je n'ai pas pris mon micro, je l'ai oublié, hein, mais voilà, j'espère que ça ira, et en tout cas, n'oubliez pas bien sûr, enfin, n'hésitez pas plutôt, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like, si vous avez aimé la guidance, et puis bien sûr, vous abonner. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir été là et d'être là toujours. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tous. Et comme je vous dis, hein, bientôt, je referai dans 15 jours peut-être, à peu près 15 ou 3 semaines, je referai du coup une autre petite offre, je ne sais pas encore laquelle, et je ferai la même chose. Hein, je laisserai les commentaires ouverts pour que vous puissiez participer, voilà. Parce que je vois que voilà, beaucoup... était content de cela, aime bien, donc je vais le refaire pour faire plaisir, et puis bah, peut-être qu'un jour ça tombera sur vous, et que vous recevrez du coup le petit cadeau de ma part, voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis bien sûr que Dieu vous bénisse, vous protège, et comme vous avez vu, hein, j'ai mis une nouvelle intro aussi, et c'est vraiment avec les vidéos et photos de maintenant en pèlerinage à Lourdes, voilà. Bisous à tous et à très bientôt.